T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. T'as voulu voir Honfleur et bah t'as vu Honfleur parce que précisément Brigitte Namour a déménagé. A déménagé. Voilà. Elle est pas loin. Elle était à Honfleur, mais avant elle était à Cormeil, vous savez. Donc ah, c'est ça, juste oui. Dans l'heure. Elle bouge beaucoup, hein. Ah oui, moi je l'ai connue à Trouville, puis à Paris. Puis à Cormeil, puis à Honfleur. Quand les opportunités se présentent, nouveaux défis, nouveaux marchés à conquérir. Ouais, et donc, elle est dans cette magnifique ville d'Honfleur. Vous connaissez par cœur, rue du Puy, c'est-à-dire c'est juste à côté de l'église Sainte-Catherine. La place, l'église. Après l'épicier, là. Oui, exactement. Ouais. Vraiment, vous ne pouvez pas le rater. Librairie, salon de thé, toujours, parce qu'avec Brigitte, on lit des bouquins, on achète des bouquins, et on peut manger un petit gâteau ou boire un petit thé. Sélection aux petits oignons, une fois de plus, bravo à nos libraires. Vous allez avoir trois livres vraiment typiques pour cet été. Il y a un polar redoutable, deux romans, et on va commencer justement par ce roman, de Charles Palliser, l'anglais, ça s'appelle Mère et fille, édition Joël Losfeld. Partons dans l'Angleterre du XXe siècle. Regardez. Nous sommes dans la campagne anglaise à la fin du XVIIIe siècle. Le jeune Richard a terminé Cambridge. Il rentre chez lui. Il s'attend à être accueilli avec amour et joie par sa mère et sa sœur. Et là, manque de bol, il tombe sur une ambiance, un accueil glacial. Il y a des lettres anonymes qui circulent dans le village, qui sont d'une obscénité rare. Alors, on est en pleine période victorienne, c'est totalement inadmissible, hein, c'est une époque très corsetée. Tout le monde est sidéré, d'autant plus que ces lettres, on le soupçonne de les avoir écrites, donc il veut se défendre. Il va essayer de percer un secret qu'il aurait mieux fait de ne pas essayer de découvrir. C'est un roman lugubre dans l'ambiance, et puis tous ces sentiments contrariés, ces déchirements autour de la famille, autour de l'argent, des héritages. C'est un roman passionnant et attachant. Mon deuxième coup de cœur, un thriller à vous glacer le sang, Six fourmis blanches de Sandrine Collette aux éditions de Noël. C'est une bande de jeunes qui décident de partir faire un trek pour les vacances en Albanie. Il fait beau, soleil, ils sont heureux, ils partent avec un guide, tout va bien, jusqu'à ce qu'arrive une tempête qui n'était absolument pas prévue. Ils n'ont rien pour, évidemment. Et surtout, ce qui les surprend le plus, c'est le comportement de leur guide, qui, au lieu de s'occuper d'eux, de les protéger, est carrément paumé autant qu'eux. Donc on va suivre leur méandre pour essayer de sortir de cette tempête. C'est une horreur absolument épouvantable, il va arriver des drames tous les 10 pas. Et surtout, on se pose la question avec eux et en même temps qu'eux, mais qui est ce guide? Pourquoi il se comporte comme ça? Et surtout, est-ce que c'est vraiment un guide? Alors c'est palpitant, c'est stressant, c'est glaçant, on a froid dans tous les sens du terme, c'est terrible. Je sais pas vous, mais moi, jamais j'irai en montagne faire un trek. Et pour terminer, un roman machiavélique, Prêt à tout, de Joyce Ménard aux éditions Philippe Ray. Nous sommes dans une petite ville des États-Unis et Suzanne est prête à tout pour devenir célèbre. Elle veut faire de la télé. Alors elle démarre comme Miss Météo dans une petite chaîne locale et très vite elle veut se faire repérer par le rédacteur en chef. Donc elle imagine un stratagème incroyable pour monter un reportage qui va, elle pense, la faire connaître et lui faire gagner une place au soleil. Le problème, c'est comme elle est prête à tout, elle ne se rend absolument pas compte que ce qu'elle monte comme stratagème, c'est hors norme, c'est en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. Tous les personnages qui ont participé à ce roman de près ou de loin donnent leur avis, donnent leur regard sur ce qui s'est passé, pourquoi, comment. C'est passionnant. C'est très actuel, ce souhait, ce désir de vouloir passer à la télé, de vouloir être connu sans faire un effort particulier, sans avoir un talent particulier. Ce qu'elle faisait de formidable, cette dame, c'est qu'elle faisait des rencontres autour des auteurs et elle invitait des gens dans sa librairie. Mais elle continue, cher William. Non. Même malgré le déménagement en fleurs, elle continue, bien sûr. c'est bien, voilà. Voilà le métier de ces libraires qui animent, qui font vivre le livre. Ce ne sont pas ces grandes enseignes où vous êtes parfois pas très bien dessus. Et dans la librairie, il y avait l'auteur et autour de l'auteur, des petites chaises et puis tout le monde lui posait des questions. Et puis des petits gâteaux, puis un petit thé. Exactement. Voilà. Bon, bah, ça, bonnes vacances, bonne lecture. Si vous avez la chance de partir en vacances, là, vous allez vous régaler avec ça. Merci beaucoup, Damien. Elle va faire chaud.